La maison Creed est née en 1760, où nous étions marchands de nouveautés, ce qui comprenait fabriquer des tissus, apporter des soieries et fabriquer des costumes. Pour revenir à la parfumerie, pour notre technique, elle est basée très simplement sur des produits naturels. Mais aussi, il y a une technique de fabrication. Tout est fait à la maison de notre usine, ici à Uri. On ne cède pas du tout au procédé nouveau et tout ça. Nous restons dans notre tradition de fabrication. Dans l'Aventus Forer, nous nous sommes inspirés de l'Aventus Porum en la rendant beaucoup plus florale et, j'allais dire, beaucoup plus espérée. Ça nous a demandé à peu près 3 ans de travail dessus, et effectivement 3 ans avec toute mon équipe, déjà pour choisir toutes les essences de différents pays qui rentrent dedans. Ça a été un gros travail, et puis j'espère que ça sera un gros succès aussi. Chaque année, je voyage dans le monde essentiellement pour sélectionner nos matières premières. Nous avons beaucoup de sous-traitants qui apprécient de travailler avec la maison Creed parce qu'ils voient que les matières premières, on les sublime. On préfère rester sur des compositions assez simples, mais avec des produits d'excellente qualité. Aujourd'hui, on est une des rares marques de parfums à exploiter à 100% tout le procédé de création d'un parfum. Mon père est assez axé sur les compositions. On appelle ça un master parfumeur. C'est lui qui décide de tout ce qui sera mis sur le marché. Nous continuons aujourd'hui à conserver des techniques d'infusion qu'on faisait il y a 100 ans de cela. Et aujourd'hui, voilà, on a une usine qui est importante et on a beaucoup d'employés qui font eux-mêmes la mise en bouteille à la main. Nous avons préféré favoriser un petit peu l'être humain plutôt que les machines, les robots. Nous avons décidé de rester autonomes. Ça nous permet de vraiment d'avoir la maîtrise et de faire à peu près ce qu'on veut. Et on fait des choses qu'on aime, qui est de garder cette façon de faire aujourd'hui qui ne se retrouve plus et qui prend plus de temps, qui est moins économique. Mais en même temps, ça nous permet de rester libre dans nos créations. Ça, pour nous, pour mon père, pour moi et je pense que pour nos ancêtres, ça n'avait pas de prix. La dernière nouveauté est Aventus Forer. Le produit a mis 3 ans à mûrir. Et dernièrement, à peu près il y a 3 mois de cela, mon père a trouvé la formule parfaite qui nous correspond. Et depuis, on est assez heureux et on est heureux de pouvoir fournir un nouveau jus à notre clientèle féminine.